Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors je vous retrouve pour une toute petite vidéo Temu. Voilà. Alors, j'ai reçu le paquet. Alors maintenant, c'est des emballages comme ça. Bon, on ne sait plus, on ne sait pas, c'est pas grave, on s'en fiche. Bon, il y a quatre petites choses que je pourrais pas vous faire montrer. Parce que je pense que ma fille, du coup, elle va regarder la vidéo. Parce que j'ai pris des choses qui me manquait pour son calendrier de l'Avent. Donc, bah, je ne vous les montrerai pas. Bah non, je ne vous les montrerai pas. Hein. Donc, j'étais pressée parce que vous savez que récemment, j'ai acquéri. Enfin, j'ai la Cricut Joy. Voilà. Et donc, j'ai commandé des choses pour la Cricut Joy sur Temu, le temps de la prendre en main. Et si vraiment bah, ça se passe bien et tout, bah, je verrai pour commander la marque officielle. C'est juste bah, pour pas dépenser des sous et tout ça, pour le temps que j'apprenne à m'en servir. Voilà. Donc ça, c'est pas pour la Cricut, c'est pour faire des porte-clés. Oui, vous avez vu, je fais de la résine, hein, et je n'avais plus de porte-clés. Non, j'ai tout usé. Hop. Alors dedans, on en a. Ouh là, beaucoup, beaucoup. Alors on a un petit sachet dedans. On a les anneaux qui sont déjà ouverts. Je sais pas si vous voyez là. On n'a plus qu'à les refermer. C'est des gros anneaux bien solides. Et puis des petits porte-clés comme ça. Donc je crois que j'en ai 50 dedans. Hein. Donc ça fait vraiment un bon paquet. Alors là, je les ai pris en argenté. Mais bon. Peut-être je referai une commande plus tard. J'en prendrai en doré. Comme la résine en ce moment, bah, vu le temps, je ne peux pas trop en faire. Enfin, j'en fais pas du coup. Parce que voilà. Comme je n'ai pas de pièces spécifiques, eh ben, je préfère pas en faire. Donc j'ai pris du vinyle noir. Alors j'ai vu au niveau, vous voyez dessus, il y a toutes les Cricut, dont la Joy, il y a trop de kikinettes. Bon, dessus c'est marqué en anglais. Donc c'est du vinyle autocollant. C'est du mal hein, parce que je ne connais pas. Donc je l'ai pris en noir et dedans on a qui a la taille dessus? Non. Non, ils ne mettent pas la taille. Ça va pour la silhouette aussi, apparemment. Mais je crois que c'est 30 sur. Regardez. Pour essayer, hein. Voilà. Donc j'ai pris du noir. J'ai pris du comme ça, du doré. Pareil, c'est du vinyle autocollant. Hein, en doré. Et je l'ai pris aussi en rose gold. J'adore, je vais essayer, j'ai trop hâte. Et j'ai pris du papier transfert. Hein. Pareil, c'est sur un petit rondin de mousse là. Ça, c'est pas mal à récupérer. On peut faire plein de choses avec. Et franchement, ah, là-dessus, il y a les tailles. Alors, ça fait 30,5 sur 100 cm. Voilà, hein, 30,5 sur 100 cm sur 1 mètre. Franchement, on a de quoi faire, vraiment. Surtout que moi, c'est pour faire des petites écritures. Hein. Et j'ai pris des feuilles comme ça, holographiques. Alors, sur les commentaires, ils disaient qu'ils s'en servaient. Hein. On la Cricut, c'est pareil, c'est autocollant. Et dedans, on a. Je ne sais plus combien de feuilles, mais on en a pas mal. Hop. Alors. Attendez, je regarde. Parce qu'on doit avoir 5 modèles différents. Ah oui, ils sont. C'est épais hein, quand même. Hein. 1, 2, 3, 4. Alors, c'est 4. Alors, je sais pas. Des comme ça. C'est beau, hein. Ensuite, on en a 2, je sais pas. Bref. Des comme ça, avec des petites étoiles. C'est trop beau. Ensuite. Alors, je ne sais pas si c'est parce qu'il y a une couche de plastifié dessus. Est-ce que c'est autocollant ou thermocollant? J'en sais rien. Faut vraiment que je regarde. Alors, celle-ci, il n'y a rien. Seulement les effets. Hop. On va bien voir. Hein. Ensuite, des petits points comme ça. Ouais. Voilà. Donc, je suis contente de ma petite commande. Après, il faut que je regarde sur le site parce que. Qu'est-ce qu'ils disent dessus là? Ils disent rien. Hein.
Rainbow Star, ouais. Ok. Donc j'irai voir sur le site parce que on dirait qu'il y a un film plastique sur la feuille. Alors je ne sais pas. J'essaierai. J'essaierai puis je vous en parlerai. Donc voilà pour mon petit haut ému. Hein. Vous avez vu, pas grand-chose, pas grand-chose. J'ai juste, je me suis juste un petit peu équipée pour ma Cricut. Bah oui, pour essayer. Hein. Pour les porte-clés à venir, je vais essayer de trouver une solution pour me prendre un petit bout de pièce ou je ne sais pas, pour pouvoir faire un peu de résine sans être embêté. Ma foi, c'est pas gagné. Non, c'est pas gagné. Non. Voilà. Ben voilà, c'est tout ce que je voulais vous dire. Donc, je reviendrai pour une petite création, je ne sais pas quand. Je sais que là, vous avez des vidéos maquettes. Après, n'hésitez pas à me dire si ça vous gonfle. Au pire, je les retire, hein. Mais je sais qu'il y en a qui aiment bien voir quand même. Donc, voilà. Alors, le doré, je l'avais quand même ouvert. Hop. Et puis, ça nous donne quand même une belle feuille. C'est trop beau. Voilà. Hier, je suis passée chez Action. Attendez. Et j'ai pris, franchement, pas grand-chose. J'ai pris des feuilles comme ça, là. Mais c'est thermocollant. Alors, il paraît qu'il y en a qui s'en servent dans la Cricut. Je vais me renseigner parce que je ne sais pas comment faire. Donc, j'ai pris bleu, vert, rose. J'en avais pris un bout, j'ai fait un essai, mais bon. Rose et rouge, comme ça. Et j'en ai pris un pailleté aussi. Il n'y avait que cette couleur-là. En rouge pailleté comme ça. Voilà. Et je me suis pris, bah oui, pour faire vos vi les vidéos du calendrier de l'Avent, un nouveau serre-tête. Oh oh oh! Voilà, c'était pas cher, hein, je crois que c'était 99 centimes. Bon, ça changera un petit peu du Père Noël, bah oui. Et puis surtout, j'y allais pour ça. J'ai pris deux petits paniers comme ça. Alors, c'est pas des paniers de grande. Oula! De grande qualité. Mais c'est juste pour mettre le calendrier de l'Avent de mes filles. Vous voyez, c'est un peu. Pour mettre le calendrier de l'Avent de mes filles dedans. Parce que comme c'est un peu en forme de swap, en fait. Hein. Donc, comme ça, elles en ont un gris et un blanc. Après, si elles veulent pas du panier, je les récupérerai. Et puis voilà. Donc voilà ce que j'ai pris à Action, hein. Pas grand chose, juste, bah juste ça. Donc voilà mes amis, sur ce, bah aujourd'hui on a une petite accalmie, pleut plus, pleut pas aujourd'hui. Je pense pas que ça va durer la journée, non je ne pense pas, on verra bien. Bah c'est tout, hein. Sur ce mes amis, je vais vous faire des gros 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 bisous. Prenez soin de vous, faites attention à vous. Comme dirait Christelle, faites surtout ce que vous aimez. Bah oui, hein, il faut profiter. Bah, dans la manière du possible, bien sûr. Voilà, et puis je vais vous faire des gros, gros, gros bisous. Et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye.